Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va manger de la street food sénégalaise. Je pense que je ferai des vidéos, des séries de vidéos. Tout dépend. Si vous voulez des séries de vidéos de différentes street food sénégalaises, différentes. On va d'abord, je vais vous montrer le trajet, comment ça va se passer. Je pense qu'on va prendre le Dendik. Donc, si vous ne connaissez pas le Dendik, c'est un lieu commun. On va prendre le Dendik. Et je vais vous montrer durant tout le trajet. Ça va être super intéressant. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu connais, like la vidéo. Et si tu es intéressé par ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à partager, à faire découvrir qu'il y a de la bonne street food ici à Dakar. Donc, let's go! Donc là, les gars, on est entrés dans le Damji. Ce sont les nouveaux Damji en plus. Ils sont tellement beaux et propres, confortables. Donc là, on a pris ça à l'arrêt de bus, donc au terminus. Si vous ratez le terminus, il est fort probable que vous ne vous asseyez pas. Et moi, quand je vois un Damji plein, je monte. Pas. Littéralement, je veux pas rester debout. Donc voilà, on a profité pour s'asseoir puisque le trajet devait être long. Et là, ça prend généralement entre 10 à 15 minutes avant que le bus puisse démarrer. Donc voilà, je vous montre un peu le terminus, comment ça se présente. Et là-bas, ce sont les bus au fond. Et donc là, voilà, on attendait que ça démarre et voilà, on va partir. Le trajet, il est assez long. Du coup, petite visite. Là, ce sont les bus blonds. Donc, on appelle ces bus-là les Tata. C'est différent des Damdik. Les Damdik, ils sont plus grands. Donc là, c'est leur terminus. C'est le terminus Ouakam, pour ceux qui connaissent. C'est au marché Ouakam. Donc là, on va prendre la voie. Et là, en fait, je vous fais une petite visite guidée, ok? Là, nous sommes sur l'avenue Cheikh Anta Diop de l'université. Donc, juste au coin là, c'est la poste de Dakar. Et en avançant juste là, là, vous voyez, c'est en rouge là. C'est là où on fait les dons de sang. On donne du sang. Si vous voulez faire des dons de sang, c'est ici, comme vous voyez la goutte de sang là. Donc là, nous sommes sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Pourquoi on appelle ça Cheikh Anta Diop? C'est parce que l'université Cheikh Anta Diop est sur cette allée là. Donc, c'est pas loin. Et avant d'avoir, voilà, ENDSS, ça fait partie de l'université Cheikh Anta Diop. C'est une école, de développement, tout ça. C'est toujours l'université Cheikh Anta Diop, les gars. Je suis pas, je maîtrise pas. Hein. Ok. Et j'ai oublié, je pense, de vous montrer, mais on a dépassé l'hôpital de femmes. Donc là, on est sur Cheikh Anta Diop toujours. Vous allez voir très très bientôt l'université qui est juste devant. Voilà. Voilà l'université Cheikh Anta Diop, comment ça se présente. Si vous ne connaissez pas, si vous avez les intentions de venir à l'université, étudier ici à l'université Cheikh Anta Diop, voilà. Et sachez que l'université est tellement grande. Donc là, c'est même pas le début en fait. Le début, c'est depuis que je vous ai montré là, juste après le don de sang. Tout ça là que vous voyez, les gars, c'est l'université Cheikh Anta Diop. Tout ça là. Et puis à l'extérieur, ils ont tellement embelli ça. C'est tellement joli avec les plantes, les fleurs qu'ils ont mis et tout. C'est vraiment, ça devient de plus en plus attirant et tout. Et là, je pense que c'est toujours en construction à l'extérieur. Et on est toujours sur l'avenue Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire qu'à droite là, de mon côté là, c'est toujours Cheikh Anta Diop. Vous avez vu? Université Cheikh Anta Diop en fait. C'est tellement grand. Donc si tu viens, voilà à quoi va ressembler ton futur établissement. Ok? Donc là, on va continuer. Du coup, là, on est presque au rond-point SAM. Je voulais vous montrer le casino qui était à gauche, mais comme moi, j'étais à droite dans le bus, donc c'était pas possible. Là, c'est une mosquée qui n'est pas très loin. Et ça,
C'est un autre hôpital. Donc, le premier hôpital qu'on a dépassé, c'est l'hôpital de Fan, à côté de l'université. Et là, c'est l'hôpital Abbas Ndao. C'est juste au Oran-Prince-Am, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une petite visite guidée que je vais vous faire. Remerciez-moi, hein, remerciez-moi. Et surtout, laissez des likes, hein, les gars, ok? Likez la vidéo, partagez, ça va me faire super plaisir. Surtout les likes, les gars. Donc là, c'est l'hôpital Abbas Ndao. C'est vraiment un hôpital public. C'est vraiment comme l'hôpital Fall, l'hôpital principal et tout. Et ici, au Sénégal, il y a quand même pas mal d'hôpitaux publics. Et voilà, ne me demandez pas comment ça se passe et tout. Je ne suis pas la mieux placée pour vous dire comment ça se passe dans les hôpitaux. OK? Donc voilà, là, on est au Rembrandt Sam. Moi, ils n'avaient pas alors que c'était traité par le propriétaire. Qui est devenu le propriétaire? Non, il n'est pas. Mon père exerce le bien. Ah ouais, tu vois. Ah, c'est ça. Donc les gars, vous venez de voir en fait le rond-point simple. Donc c'était le marché mercredi et là on est au marché Tilène. Vous avez vu précédemment les cars rapides, c'est ça qu'on appelle les cars rapides, les cars jaunes que vous avez vu là. De toute façon, les cars là me font peur. Mais sachez que ce sont le moyen le plus moins cher aussi, le transport le plus bas, en fait. Donc là, c'est le marché Tilène, c'est aussi l'un des marchés. Donc les commerçants, ceux qui reviennent d'ailleurs, là, au Congo et tout, ils passent toujours là. Parce que c'est ici, si je me trompe pas, qu'on fait aussi les sandales, les chaussures locales, là, les chaussures faites à la main, là. Je pense que c'est au marché Tilène. Donc c'est un grand marché aussi, vous allez trouver un peu de tout et tout. Sachez aussi que les marchés sont tellement nombreux. Donc, il y a le marché Tilène, le marché Sondaga, le marché HLM, tout ça. Il y a vraiment des grands marchés ici. Et ça, c'est l'un des grands marchés. Il y a pas mal de trucs. Vous allez trouver vraiment pas mal de trucs. On vend de tout ici. Des téléphones, des ordinateurs, des chaussures, etc. Et ça, ce marché-là, c'est, je pense, avant d'arriver au quartier Médina. Donc, avant d'arriver au marché Sondaga. Donc, le marché Sondaga, c'est celui qui se trouve au centre-ville. Donc, c'est là où nous, on partait. On est enfin descendu du bus. Donc là, on est au marché Sandaga. Les gars, quand je vous dis que j'aime pas filmer en extérieur, si vous saviez le regard que l'on me foudrait, c'est-à-dire que la manière dont les gens me regardaient, j'étais obligée de filmer en bas, on dirait qu'on voulait me bouffer. Genre, c'est-à-dire que si j'étais seule, si j'étais pas accompagnée, c'est sûr qu'on devait même mal me parler, m'insulter. Les gens me regardaient tellement mal parce que j'étais en train de filmer. C'est ça qui fait que j'évite en fait de filmer. Donc là, on est arrivé à l'endroit où on devait partir. Je pense que beaucoup vont reconnaître l'endroit. Mais aussi, j'ai pas pu filmer l'entrée à cause des regards. Il y a d'autres qui ont dit non, ne filme pas parce que nous, on veut la discrétion et tout. Donc je me suis dit oui, je vais respecter la vie privée des gens. Donc j'ai pas filmé à l'entrée parce qu'il y avait né de nombreux là. On est entré et il y avait déjà des gens là où on voulait manger, il y avait déjà des gens. Donc on nous a d'abord servi ça, c'est du lait qu'on a pris, je pense. C'était mon compagnon, c'est lui qui avait dansé, c'était les jeunes là qui étaient assis là. Et là on nous faisait du lait. Donc voilà un peu l'endroit comment ça se présente. C'est vraiment de la street food parce que c'est un endroit où on fait des brochettes, du foie, du poulet. Vous voyez, c'est avec du pain et tout. Malheureusement, il n'y a pas du manioc. Il n'y a que du pain. Donc vous prenez, vous mettez dans du pain. Et voilà. Donc en attendant, nous, on s'était servi. Voilà, j'étais en train de goûter un tout petit peu le lait là que mon compagnon avait acheté en attendant. Je me suis dit, laisse, je vais goûter pour voir. Mais de toute façon, c'est doux. Et c'est bizarre. Le goût, il est différent
que le lait qu'on fait à la maison. Pourquoi? Donc voilà. Voilà nos fameuses brochettes. Donc il y avait les brochettes de viande, il y avait les brochettes de foie, il y avait les brochettes de le cancan, je pense, ça c'est la moutarde qu'on met. Et à côté là, c'est pas du piment, hein, c'est du cancan. Je sais pas ce que c'est du cancan, mais c'est bon. C'est très bon, ça c'est sûr. Donc voilà. Et le monsieur là, il paraît qu'il est là, ça fait des années. Donc je pense que nombreux vont le connaître, le vieux là. Il est là, ça fait des années et des années. Il est carrément au milieu là, à l'entrée. Il est là du matin au soir, en fait. Matin au soir. Et ses brochettes sont tellement bonnes. C'est-à-dire que le goût. Hey, le goût. C'est trop bon. Regardez comment c'est. Là, j'ai bien saupoudré ça de cancan. Les gars, je m'étais régalée. On avait mangé là et on a aussi fait des emportés pour manger à la maison parce que moi, je voulais bien déguster ça avec du manioc. Vous connaissez le manioc, ça manque pas. En tout cas, je me régale. Ensuite, on prend un bon coca et puis les coca de ces gars-là, de toute façon, c'est bien frais là. Je sais pas dans quel congélateur ils mettent ça, mais c'est frais. J'étais tellement choquée de la fraîcheur, ça a piqué à la gorge. Non, en tout cas, c'était ma première fois de goûter à ça et c'est trop bon. Si tu n'as jamais goûté ça, pardon, faut aller. C'est juste au marché Sandaga là, juste à l'entrée du marché, avant le grand immeuble là. Le, comment on appelle ça? La galerie qui est juste à droite là, maintenant le truc est à gauche. Si tu es jamais venu ici, viens au moins une fois goûter. Et les brochettes ne sont pas chères. Hein. La brochette, c'est à 100 francs. La brochette de viande, cancan aussi, c'est 100 francs. Ça, c'est la viande. Et le foie, c'est à 250 francs. Le poulet, c'est à 1000 francs. Franchement, viens goûter au moins une fois si t'es pas allé. C'est doux, c'est tellement bon. Et je vous conseille, quand vous allez arriver, de venir au milieu. Le daron du milieu là, c'est lui qui fait des bonnes choses. Franchement, il est tellement gentil en même temps. Il est accueillant, très à l'écoute. Non, le monsieur qui est au milieu, non, il est, non, c'était vraiment un daron bien. Donc, le retour se fait en taxi. Donc, là, moi, j'ai arrêté le taxi pour prendre notre route et rentrer à la maison parce que là, si on prenait le Demjik, c'est pas possible. Donc là, on va prendre le taxi et c'est parti pour la maison, un autre trajet. Là, maintenant, pour partir à la maison, on va prendre la corniche parce que c'est plus rapide. Donc, je pense que je vais vous laisser, vous allez un peu contempler et tout. Et surtout, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me donner des endroits que je peux visiter à Dakar. Pour l'instant, c'est Dakar. Et après, on verra à l'extérieur. Vous voyez, non, à l'intérieur du pays plutôt. Donc voilà, si ça vous a plu, les gars, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. D'autres endroits de street food bien, où c'est bon, hein, où je vais pas regretter mon argent, que vous voulez que je puisse aller découvrir et tout. D'autres activités que vous voulez que je fasse, des endroits bien que je peux découvrir et que je peux filmer. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et donc, moi, je vous laisse ici. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, les gars. À bientôt.